les petits cardiaxiens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et je voulais vous dire que je crois que j'ai un peu trop bu, mais bon, ça va aller en fait. Voilà, bah bonne vidéo, hein. Mais pour vous dire que là, ici, aux terrasses d'Angoulême, alors déjà, on va faire des choses super sympas, de plus en plus sympas. On va faire des choses très sympas et de plus en plus sympas. Ah oui, je voulais vous dire, par rapport aux femmes, les bonnes femmes, elles nous font chier. Parce que les bonnes femmes voulaient toujours nous commander, nous, que les hommes, que nous, on sait tout à fait que ce qu'on a à faire. Ah, mais si, si! J'en entends qui disent, non, c'est faux. On sait tout que ce qu'on a à faire, nous. C'est vous qui disiez toujours, ouais, ah ben, fais ceci, fais cela. Et déjà, vous êtes toujours en train de crier. Alors moi, une fois, on m'a dit, ouais, mais Karl, une femme qui crie pas, c'est pas une femme. Ok. D'où qu'elle vient, cette théorie à la con, là. Alors, on va se boire un truc, là. Quelle heure il est? Je sais même pas quelle heure qu'il est. Vous avez l'heure, vous? Ah ouais, il est... Ben, on est jeudi, c'est bien jeudi. Alors oui, alors j'ai toujours pas trouvé de femme dans ces trucs-là, avec ces histoires. Alors, j'ai passé une annonce sur Badou. Mais alors, Badou, zéro. J'ai trouvé personne. Hein. Personne. Personne ne veut de moi. J'ai passé une annonce sur Kinder. Alors, Kinder, elles te disent qu'elles veulent pas de sexe, mais en fait, elles veulent du sexe. Laisse tomber. Laisse tomber. Moi, je vais finir ma vie tout seul. Je vous le dis, je vais finir ma vie désespérément seul. Ou je vais mourir. Je vais mourir assassiné par un mari jaloux. Ah, ça, c'est possible aussi, ça. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, hey, moi, j'aurais bien vécu. Hein. Regardez, j'ai mis mon t-shirt burger. Il est pas beau, mon t-shirt burger? À la base, je voulais vous faire une vidéo sur ma nouvelle piscine. Chut! Chut! Faut pas tout dire sur ma nouvelle piscine. Mais, vous avez vu qu'il pleut dehors? Du coup, j'avais pas du tout envie de vous faire une vidéo sur ma piscine. Du coup, je me suis assis avec mon camarade. Modération. Je vous en ai parlé de celui-là. Je vous ai dit, si vous avez idée de boire le canon, buvez toujours avec modération. Je vous l'avais pas dit? Je vous l'avais dit. On s'est assis tous les deux, et puis on a joué à discuter, quoi. Tout en discutant, on a enfilé des petits canons, et puis on en est arrivé là. Du coup, je dis à mon camarade modération, est-ce que t'as pas une idée de vidéo? Et il me dit, t'es complètement bleu, tu peux pas leur faire une vidéo? Je dis, comment ça, je suis bleu? Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas du tout bleu. Quand je suis bleu, je suis connecté à ma dent de requin. Et j'ai les esprits qui arrivent et qui pénètrent à l'intérieur de moi-même, dans le moi profond, entre la matrice et moi-même. Et il me dit, si, si, t'es bleu, j'en veux pour preuve, la bouteille est vide. Alors, je sais même pas où il l'a mise, hein. Du coup, il est parti travailler, le gars, en conduisant sa voiture. Alors que je lui ai dit, si on est bleu, on ne conduit pas la voiture. Donc, je me suis dit, vu qu'il est parti et qu'il a conduit sa voiture, moi, peut-être que je peux faire une vidéo. Voilà. Mais comme il m'a dit que j'étais bourré, je ne savais pas quoi mettre dans le titre de la vidéo. Je me suis dit, je vais démarrer la caméra et puis on verra bien, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je voulais vous dire aussi que depuis que j'ai décidé d'arrêter LV3D, le Saint LV3D, pour faire comédien, acteur, réalisateur, un grand comédien, un grand acteur, un grand réalisateur, un grand comédien, je suis dans un avenir incertain. Personne ne m'a appelé. Soi-disant qu'il y a des gens qui devaient m'appeler.
Ouais, il y avait Mac Damon qui devait m'appeler. D'ailleurs, je m'étais laissé pousser les cheveux pour ça, à la base, pour faire un film avec Mac Damon. Eh ben non, rien à foutre, il m'appelle pas. Non, non. Le Mac Damon, il m'a... je sais pas si vous savez qui c'est, Mac Diamond. C'est un mec... bon, il est moche déjà, je te le dis tout direct. Hein. Il ressemble à rien. Bon, enfin bon, apparemment, il est un peu connu, quoi. Il y en a un autre qui devait m'appeler aussi, comment il s'appelle? Ah merde. Un autre, un acteur, quoi. Mais un mec qui est pas trop connu aussi. Gérard Depardieu. Un espèce de gros tas, qui m'a pas. Il appelle pas. Pourtant, et Depardieu, il paraît qu'il bouffe bien. Hein. Moi, la bouffe, ça me connaît. Hein. Enfin, bref. On va pas passer tous les tocards de la planète, tous les mauvais acteurs et j'en passe. Personne ne m'a appelé. Du coup, je voulais vous dire quoi, moi? J'avais démarré la caméra pour vous dire un truc, je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ouais, enfin, bref, quoi. Oui, j'ai que je rappelle à moi ce que je voulais dire. Je voulais vous faire une vidéo piscine. Mais il pleut. Je peux pas vous montrer ma nouvelle piscine. Chut, ça sera peut-être dans la prochaine vidéo, remarque, hein. Voilà, moi que c'est pas évident tout ça, hein, les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois que j'ai un peu trop bu, en fait. Je sais plus trop qu'est-ce que je voulais vous dire. Hein? Vous avez compris, c'était un prank! Vous avez vraiment cru que j'étais bourré? Je vous ai bien nu, hein. Franchement, je vous ai bien nu, hein. Alors, tous ceux qui ont cru que j'étais bourré, si vous êtes arrivés à ce moment-là de la vidéo, marquez-moi dans les commentaires. Attends, on va trouver un truc. Hashtag, tu nous as bien nu. Voilà. Hashtag, tu nous as bien nu. Si vous avez cru que j'étais bourré. Hein. Alors, tout ça pour vous dire que franchement, l'alcool, c'est mal. C'est une vraie saloperie. Faites très attention à l'alcool. Moi, j'ai des copains et des amis même qui ont eu des problèmes d'alcool, qui ont dû faire des cures post-traitement. L'alcool, c'est une drogue aussi. On a parlé la dernière fois sur ma chaîne YouTube de la cocaïne. Hop, hello, film. Hello, film. Regardez ce petit sachet de cocaïne là. C'était de la farine, bien sûr, bien évidemment, c'était un prank. C'était de la farine. On en a parlé, on a débriefé après et je vous avais bien eu. Donc, la cocaïne, c'est une drogue, certes. Le Zamal, c'est une drogue, certes. Le Zamal, le tétrahydrocannabinol, la beuh, quoi, le tarpé, quoi, c'est de la drogue aussi. Mais l'alcool est aussi une drogue. Et faut pas croire que les jeunes sont épargnés par rapport à ça. Franchement, ça sert à quoi de se bourrer la gueule à tomber par terre? Ça sert à quoi de se faire des grosses bitures, comme on dit, de se mettre bleu métal, comme on dit? Ça sert à rien du tout parce que la soirée, elle est niquée. Au final, quand tu bois, éventuellement, tu peux boire deux verres, tu vois, deux verres. Réellement, tu bois deux verres, t'es bien, t'es cool, t'es tranquille. Mais quand t'es complètement bourré, que t'essayes de draguer une meuf en boîte, t'essaieras un peu en ayant bu un verre ou deux, tranquille. Juste, après, t'arrêtes de boire, tu passes au jus d'orange, au jus de fruits, tu vois, tu fais en mode sérieux. Tu verras, t'as plus de chances de ramener une nana chez toi, même si tu la ramènes pas chez toi le premier soir ou le deuxième soir. Moi, par exemple, les filles, je le dis pour les filles, moi, je suis pas un homme facile. Moi, tu me ramènes pas le premier soir. Hein. Non, non, non. Passer minuit, le premier petit matin, oui, mais pas le premier soir. Arrêtez conneries, je suis pas un homme facile, moi. Ah, vous avez cru quoi, vous? Mais bourré, en plus, si t'es bourré, tu ramènes une nana dans ton plumard. comment te dire? Il se passera rien. Normalement, il se passe rien. Ou alors, t'as pris d'autres produits, hein. On connaît pas le nom, mais normalement, si t'as consommé trop d'alcool. Il se passe rien. Hein. Je sais pas. Après, marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Non, tout ça pour vous dire que je combats aussi l'alcool et l'alcoolisme. Parce que quand on a un problème d'alcool, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est très, très difficile d'arrêter de boire. Et j'ai des amis qui ont eu des problèmes d'alcool. Et je peux vous dire que c'est pas évident du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, donc c'était un peu le sketch, j'espère que je vous ai bien eu avec ce petit prank et j'ai quand même pu faire passer un message de prévention. Faites très attention à l'alcool, buvez effectivement avec modération. Modération n'est pas une personne, hein, comme dans le petit sketch. Voilà,
Le trop est l'ennemi du bien. Mamie Nanou vous dira, le trop est l'ennemi du bien. Et ça, c'est très important comme message. Faites vraiment très attention à l'alcool. Vraiment, je plaisante pas. Et le pire, c'est comme en plus c'est légal, c'est, je crois que c'est encore pire que tout parce que ils te foutent dans ce système de l'alcool là. Et après, tu fais des cures de désintoxication, etc. Et tu repayes encore le système. Enfin, de toute façon, moi, je suis contre les addictions. Addiction ! Moi, j'ai besoin de personne. D'où j'ai besoin de quoi que ce soit. La drogue, l'alcool, les gonzesses, les bagnoles. J'ai besoin de rien. Je suis addict à rien. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec modération. Et c'est comme ça qu'on arrive au bout. De cette façon, avec cette façon de voir les choses, en n'étant pas dans les excès, on arrive au bout. Sachez une dernière chose, c'est qu'on a un corps. Vous savez, je vous parle souvent de l'âme, que je suis en connexion avec les esprits, etc. Mais on a aussi un corps. Le tabernacle de Dieu, le tabernacle. Le corps qu'on a là, ces beaux muscles. Bon, qui en repassera pour beau. Mais le corps que vous avez, ces beaux seins pour les nanas. Des seins. Bon, se calme, oui. Le corps que vous avez, vous en avez qu'un. Vous avez qu'un corps. Donc prenez-en soin, vraiment prenez-en soin du début jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, on va s'arrêter sur ce petit message tranquillou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxy, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très 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 bientôt. Je vous aime très 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 fort. Active la petite cloche. Ciao ciao. Je vous aime.